myosotis et puis la rose, ce sont des fleurs qui disent quelque chose. Mais pour aimer les coquelicots et n'aimer que ça, faut être idiot. T'as peut-être raison, oui mais voilà, quand je t'aurai dit, tu comprendras. La première fois que je l'ai vue, elle dormait à moitié nue dans la lumière de l'été, au beau milieu d'un champ de blé. Et sous le corsage blanc, là où battait son cœur, le soleil gentiment faisait vivre une fleur. Comme un petit coquelicot, mon âme, comme un petit coquelicot. C'est très curieux comme tes yeux brillent en te rappelant la jolie fille. Ils brillent si fort que c'est un peu trop pour expliquer les coquelicots. T'as peut-être raison, seulement voilà, quand je l'ai prise dans mes bras, elle m'a donné son beau sourire. Et puis après, sans rien nous dire, dans la lumière de l'été, on s'est aimé, on s'est aimé. Et j'ai tant appuyé mes lèvres sur son cœur, qu'à la place du baiser, il y avait comme une fleur. Comme un petit coquelicot, mon âme, comme un petit coquelicot. Ce n'est rien d'autre qu'une aventure, ta petite histoire, et je te jure qu'elle ne mérite pas un sanglot, ni cette passion des coquelicots. Attends la fin, tu comprendras. Un autre l'aimait qu'elle n'aimait pas. Et le lendemain, quand je l'ai revue, elle dormait à moitié nue dans la lumière de l'été, au beau milieu du champ de blé. Mais sur le corsage blanc, juste à la place du cœur, il y avait trois gouttes de sang qui faisaient comme une fleur. Comme un petit coquelicot, mon âme, un tout petit coquelicot. Fleuriste est une charmante profession qui marque pour l'ordinaire les deux extrémités de la vie d'une femme. On vend des fleurs de 7 à 10 ans sur les grands boulevards ou devant la bourse à Londres. Puis, en vieillissant, le panier se change en voiture. C'est la seule différence en ne considérant l'affaire qu'au point de vue commercial. Entre la 10e et la 70e année, existe une portion de temps qui ne regarde que la fleuriste. Cette longue
longues périodes, les jeux du corps l'emportent généralement sur ceux de l'esprit. Fleuriste est une charmante profession qui marque pour l'ordinaire les deux extrémités de la vie d'une femme. À sa façon de nous appeler ses gosses, on voyait bien qu'elle nous aimait beaucoup. C'était chez elle que notre argent de poche disparaissait dans les machines à sous. Après les cours, on allait boire un verre. Quand on entrait, Lorette souriait, et d'un seul coup, dans le son, nos problèmes disparaissaient quand elle nous embrassait. C'était bien chez Lorette, quand on faisait la fête, elle venait vers nous, Lorette. C'était bien, c'était chouette, elle payait pour nous Lorette. Et plus encore, afin qu'on soit tranquille, dans son café, il y avait un coin pour nous. On s'y mettait pour voir passer les filles, et j'en connais qui nous plaisaient beaucoup. Si par hasard on avait l'âme en peine, Lorette seule savait nous consoler. Elle nous parlait et l'on riait quand même. En un clin d'œil, elle pouvait tout changer. C'était bien chez Lorette, on y retournera à l'oublier, Lorette. Ce sera bien, ce sera chouette, et on reparlera des histoires du passé chez Lorette. Ce sera bien, ce sera chouette, parlera des histoires du passé.